Coucou tout le monde, c'est Emma. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'annonce d'un nouveau Kaminari Challenge. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Kaminari Challenge est une série, est un challenge que j'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Sur Inazuma, bien sûr, c'est un challenge sur Inazuma. Et donc voilà, sur différents jeux. Alors il faut savoir que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait pour ce Kaminari Challenge en préparation sera décidé en grande partie par vous et vous seul. Comment ça va se passer? Ça va se passer sur Discord et non pas sur Twitter ou sur YouTube. Donc ne postez pas des commentaires avec « je veux ce joueur-là ». Ça ne passera pas. Tout ça se passera sur Discord. Je vous mettrai un lien d'un Discord dans la description. Et sur ce Discord-là, vous allez pouvoir justement décider de qui sera dans l'équipe. Alors, il y aura un petit système de vote. Vous mettrez une image d'un personnage que vous voulez. Et après, je mettrai genre si ça passe ou si ça passe pas. Ok ? Vous pouvez mettre des personnages de Chronostone, de Galaxy, de Go 1, peu importe. Parce que cette série, ce Kaminari Challenge, vous pourrez aussi choisir sur quel jeu je le ferai. Que ce soit sur Go 1, sur Go 2 Chronostone, ou sur Go 3 Galaxy en japonais, vous pourrez décider sur quel jeu je fais ce Kaminari Challenge. Et au final, même s'il y a des personnages de Galaxy, c'est juste qu'ils ne compteront pas. Genre par exemple, si... voilà, ce seront les 11, les 10... joueurs avec le plus de votes qui sont disponibles dans le jeu qui sera choisi qui seront pris pour l'équipe. Alors, pour le capitaine, j'ai à peu près envie de vous imposer en fait le capitaine. Et ce sera pas ma gardienne, la gardienne que j'aurais utilisée dans Galaxy si jamais voilà, si jamais j'aurais dû... si jamais Galaxy était sorti en Europe. Désolé, j'ai un peu du mal à trouver le mot. Mais j'ai envie de prendre elle en tant que capitaine, à moins qu'il y ait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de demandes pour ne pas l'avoir. En tant que capitaine, ce sera elle la capitaine, ok? Donc il y aura bien quelque part où vous pourrez parler de la capitaine, et et voilà, tout simplement. Si jamais il y a beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup de gens, c'est-à-dire minimum 70-70% des gens qui disent je ne veux pas que ce soit elle la capitaine, elle sera pas capitaine, quoi, tu vois. Il faut aussi voir si elle est disponible dans Go, dans Chronostone elle est disponible, dans Galaxy elle est disponible, mais dans Go je sais plus. Donc voilà. Mais voilà, tout simplement, j'espère que vous auriez apprécié, que vous êtes hype. Donc le lien du Discord est dans la description. Et donc voilà, tout simplement, ça va être génial. J'ai hâte. Juste avant qu'Arès sorte, j'ai envie de terminer le Let's Play sur Galaxy. Et j'ai envie de faire un petit Kaminari Challenge sur l'un des jeux Go que vous pourrez décider. Et voilà. Malheureusement, je peux pas le faire sur... je pourrais le faire sur Inazuma Eleven... J'allais dire Inazuma Eleven 2, mais le problème, c'est que le level up de Inazuma Eleven 2, je crois qu'il est très très chiant. Mais Inazuma Eleven 3, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas de sauvegarde française du jeu, ou j'ai pas le jeu en français. Enfin, je l'ai, mais j'ai pas su jouer. J'ai vraiment pas su jouer. j'ai pris Ogre, j'ai joué une heure. J'ai fait une vidéo que je n'ai jamais posté, mais le changement entre Go et Inazuma Eleven 3 était trop brut, je sais pas comment expliquer, j'avais pas envie de continuer. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc ce sera bel et bien sur Go 2 Chronostone ou Go 3 Galaxy. N'hésitez pas à aller justement mettre des images, ok, mettez des images des personnages que vous souhaitez voir dans le prochain Kaminari Challenge. Et
Et voilà, tout simplement. Et votez pour les personnages. Parce que si maintenant vous voyez qu'un personnage... que vous voulez un personnage qui a déjà été posté... voilà. Aussi, ça j'aurais peut-être dû le préciser, vous pouvez voter pour n'importe quel personnage et pour autant de personnages que vous voulez. Poster un personnage, par contre, ce sera limité à un seul personnage par personne. Donc voilà. Ok ? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le Discord qui sera bien sûr dans la description. N'hésitez pas à aller regarder les précédents Kamen Rider Challenge parce que je mettrai les playlists dans la description. Et du coup voilà, tout simplement merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes hype comme je le suis. Et donc voilà, tout simplement, moi ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir.